you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter un petit peu ma routine, on va dire soin du soir. Parce que vous allez être nombreuses à me demander un petit peu comment ça se passait en ce moment. Et c'est vrai que je suis en train tout simplement de changer mes routines. Donc en gros je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais le soir. Tout simplement le soir, eh bien sous la douche, j'utilise le savon ressource de Aduna Beauté comme d'habitude, que j'évite de passer vraiment sur les yeux, mais vraiment tout le tour quoi, ainsi que les sourcils, pour retirer en fait le gros du maquillage. Et donc je continue ma douche tranquillement. Et ensuite, le soir, j'utilise le nez nettoyant à veine. Qui démaquille et apaisse sans rinçage visage et yeux. Donc en fait ça retire avec un voile douceur le maquillage du jour qui me reste, on va dire après le savonnage, on va dire. Et donc c'est comme ça que je me démaquille. Et suite à ça, pour pas agresser trop ma peau, en ce moment j'utilise le détox Nuxellence de Nuxe. Et bien sûr, c'est le point sur lequel je voulais appuyer cette vidéo. C'est pour vous présenter vraiment ce produit de Nuxe. Sachez quand même que Nuxe et moi, c'est quand même une histoire d'amour. Vu que j'utilise l'huile prodigieuse pour mes longueurs lorsque nous sommes en été. Que j'utilise le baume Rêve de Miel pour ma bouche avant de me coucher. Pour vraiment repulper et bien hydrater les petites peaux qui pourraient être arrachables sur mes lèvres. La crème pour les mains, Rêve de Miel aussi, je l'ai au travail, ce qui me permet de m'hydrater quand j'ai les côtés secs ici. D'ailleurs, j'ai les côtés secs. Et donc, j'adore un produit qu'ils ont sorti mais qui fait jour et nuit. C'est exactement la même gamme ou presque que ce produit-là. Donc moi, le packaging, c'est vraiment un de mes favoris. Le produit dont je vous parle, je l'avais eu sur Fragrance Direct, le site britannique. Et en fait, je ne le trouve plus. Plus du tout. Donc c'était un jour-nuit, ça s'appelait le Nuxellence Jeunesse, je sais plus quoi. Et il avait le packaging vieux gold en fait. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Donc en fait j'ai appelé Nuxe, enfin appelé non, je leur ai envoyé un mail pour leur dire où est-ce qu'on peut trouver ce produit, est-ce qu'il est sorti de stock. Je ne comprends pas comment un produit aussi bien, il n'y en a plus, j'en trouve plus, c'est une horreur. Et donc c'est tout quoi. Donc du coup j'ai postulé sur Octoly pour recevoir celle-ci, pour on va dire balancer ma perte sentimentale, ce que je viens de subir là, voilà, va falloir me verser des dommages et intérêts pour ça, hein, franchement et clairement, parce que je l'adorais et maintenant elle est sortie de gamme. Donc du coup je vais vous parler de ce qui va certainement le remplacer, sauf que ça c'est que pour la nuit. Tu comprends mon désarroi? Parce que l'autre il faisait nuit et jour. Donc il est toujours aussi bien. Au niveau du flacopompe, j'adore. L'odeur, nickel. Vraiment une odeur pas trop entêtante, légèrement subtile, qui reste sur la peau. C'est vraiment agréable. Ensuite la texture, elle est un tout petit peu plus épaisse que l'autre, qui était plus fluide, qui vraiment se fondait à la peau. Celui-ci est un tout petit peu plus épais, néanmoins très fluide. Il se travaille très bien, il se répartit très bien. Il s'absorbe très vite aussi. Il laisse pas de fini gras sur la peau comme le Garnier que j'ai détesté, qui faisait une couche grasse sur le visage. C'est une horreur. On peut tout de suite aller sur l'oreiller sans risquer de se retirer la moitié de la crème que tu t'es mis sur le visage. Clairement. Ensuite, détoxifiant et anti-âge et jeunesse et rechargeur, tout ça, je ne sais pas. Parce que je ne l'ai pas essayé assez longtemps. Mais étant donné que c'est la routine que je me suis mise en place, je pense que je pourrais très bien vous en parler un peu plus tard. Au niveau des compos, il y a du phénoxyéthanol,
Y a des silicones, visiblement. Et il y a une sorte d'alcool aussi. Donc bon, c'est pas tout à fait bio, hein, mais en même temps, le Nux, ils ont une gamme bio si vraiment t'es branché bio. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui rebombe un petit peu, qui... Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. Ça m'a fait plaisir. Et il détrône pas quand même l'ancien. Donc s'il vous plaît, remettez-moi l'ancien. Hein ? Il n'y a pas de souci, hein ? M'énerve ! Même ma mère, elle est fan de l'ancien. On est toutes les deux fans, mais on trouve plus. Donc oui, il est très bien, il n'y a pas de souci. Mais lui, il fait pas jour et nuit, il fait que la nuit. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit produit-là. Et en gros, sur ma routine du soir, bonsoir. Donc le Nux Rêve de Miel que je m'applique aussi sur le visage. Et puis voilà, c'est ce qui me vaut le matin d'avoir quand même une tronche passable. Hein ? Faut le dire ? Oui ? Faut le dire ! Oui, parce que quand t'as une sale tronche, t'as beau te mettre tout ce que tu veux sur le visage, hein. Franchement, ça n'aide pas. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, ciao ! Are you listening?